Allez, sans trop tarder, nous allons vous profiler le programme de ce soir et sur ce, j'invite mon cher collègue de la présidence, M. Félix Cabala, si vous voulez bien expliquer. En vous remerciant. Merci beaucoup, Max. Bonsoir, Bruxelles. Bonsoir Bruxelles. D'abord, j'aimerais vous présenter nos sincères excuses parce que nous avions tous remarqué que vous êtes là, ça fait belle lurette. Alors, ne vous inquiétez pas, votre patience démontre que vous avez plein d'amour et plein d'affection pour la personne que nous aimons tous, qui est notre président de la République, qu'on appelle très affectueusement, avec un acronyme que nous connaissons tous, Fatih Bey. Ah, c'est comme s'il fait encore froid dans cette salle. Je sais qu'il y a de la grisaille là-dehors, mais j'aimerais bien vous entendre. Nous aimons tous une personne, c'est notre président. Le chef de l'État. Nous sommes là depuis belle lurette, depuis plusieurs heures, nous l'attendons. C'est parce qu'on l'aime, on a beaucoup d'affection pour lui. Et il s'énomme d'une manière que nous aimons tous l'appeler Fatih Bey. Fatih Bey. Est-ce qu'aujourd'hui Bruxelles se transforme en la capitale démocratique du Congo Kinshasa? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Aujourd'hui, Bruxelles, comme il y a quelques heures, 48 heures, Paris s'était transformé en République démocratique du Congo. Est-ce que Bruxelles est d'accord d'être Kinshasa aujourd'hui? Oui. Est-ce que Bruxelles, c'est Kinshasa? Oui.
Est-ce que Kinshasa, c'est Bruxelles? Alors, pour la plus belle langue d'Afrique, je préfère dire ceci. Banalo la mbote. Banalo la mbote. Boye bibino moko, ma solo ya mikili, tamu babenga poto mikili, mikile banana. Mikile banana. Mikile banana lola. Nasima bakongo wa pana maeye makambu nyonso tu. A tout Seigneur, tout honneur et à bon côté. Ma boko pona bino moko bana lola. Alors, mesdames et messieurs, le programme est simple. Bien sûr, ce sera avec l'autorisation du chef de l'État parce que il y a 48 heures, Paris était bétonné. Paris était cristallisé. Est-ce que aujourd'hui, cet après-midi, Bruxelles sera bétonnée? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à couler sous le béton? Oui. Qui représente les associations ici? On salue aussi les femmes entrepreneurs qui sont là, de vous connexion. On salue la conférence, maman Fidéline, madame la présidente de la Cofote, maman Marie-Jeanne. Et on salue aussi, je vois des drapeaux hein, avec des sigles. On salue les membres. Les membres. Voilà. On salue aussi les membres, bien sûr, qu'on peut me dire bien, bien fort, de l'Union démocratique pour le progrès social, à savoir en sigle UDPS et RDC. Merci pour la présence aussi, Laetitia Boudoy. Encore une fois, merci pour cet exercice qui a permis un succès énorme de chez Ange Pavolanghi, chargé du suivi, bien sûr. Thank you.
France, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous vos applaudissements, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. National. Du Congo. Je vous remercie. Vous pouvez prendre place et sous vos applaudissements.
ici en Belgique. Et la deuxième partie, Monsieur le Président, après votre exposé, nous allons nous prêter d'une manière anticipative, parce que vous nous aviez agréablement surpris et gratifié à Paris avec une séance des questions-réponses. Alors nous allons réitérer la même chose pour la diaspora ici en Belgique. Il y aura une série de questions-réponses bien sélectionnées. Alors sans plus tarder, Max Mamona, qui est ici de la diaspora ici en Belgique, a présenté le ballet qui va faire une illustration du ballet national. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, chers amis. M'excuser pour ce retard qui est vraiment pas dû à ma volonté. C'est simplement la situation de l'Est que j'étais en train de gérer. Depuis ce matin, comme vous le savez, le maître de cérémonie ne l'a pas très bien retransmis dans le message qu'il a donné au moment de nous inviter à observer une minute de silence. Mais ce matin, un camp de déplacés a été bombardé par les criminels qui nous agressent, ce régime barbare de Paul Kagame, qui ont tué, jusqu'ici, on dénombre 14 victimes et plusieurs blessés. Et parmi les 14 victimes, il y a des enfants qui, malheureusement, comme vous le savez, vivent déjà dans des conditions infrahumaines dans ces camps de déplacés. Mais le criminel auquel nous avons affaire n'a pas tenu compte de cela. Il poursuit son acharnement contre nos populations. Et malheureusement, ils vont grossir la liste très très importante des victimes déjà causées par ce pays voisin pour des raisons aujourd'hui évidentes qui sont celles de piller les ressources de la République démocratique du Congo. Ça n'a rien à voir avec une quelconque idéologie politique. Ce qu'ils font, ce que fait le Rwanda dans notre pays, c'est une guerre économique qui, évidemment, profite à beaucoup d'autres intérêts internationaux, ceux-là. Et c'est ce qui nous détermine à combattre ce mal, et nous n'allons pas baisser les bras. Je vous garantis que nous gagnerons ce combat, quoi qu'il en coûte. C'est tout simplement parce que, contrairement à eux, nous n'étions pas préparés à ce combat. Notre armée, comme vous le savez, je l'ai héritée d'un régime qui a passé 18 ans et qui ne s'est pas du tout préoccupé de mettre en place une armée professionnelle réellement républicaine. Au contraire, ils ont passé le temps à signer des accords de brassage et de mixage qui ont permis à nos ennemis d'infiltrer leurs éléments au sein de cette armée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous faisons face, certes, à l'ennemi qui est en face, le Rwanda, mais également à un autre ennemi, invisible celui-là, qui se trouve dans nos rangs et qui, à tout moment, perturbe nos stratégies, nos tactiques et nous pose parfois beaucoup de difficultés. Nous sommes en train de venir à bout de ces traîtres à la patrie et de ces espions infiltrés dans nos rangs. Et l'un des leviers pour combattre ce mal, ce fléau,
c'est justement la réhabilitation de la peine de mort. Je sais que ça fait jaser beaucoup, mais lorsque nous expliquons à nos interlocuteurs des pays ayant aboli la peine de mort, nous leur disons que c'est simplement conjoncturel. Mm-hmm. Ce ne sera pas élargi à toutes les peines, mais c'est uniquement consacré aux traîtres qui nous causent des problèmes. Et si, si on a des leçons à nous donner, on n'a qu'à aller les donner plutôt de l'autre côté, aux Rwandais, qui sont en train de causer justement les dégâts que nous connaissons au sein de notre population. Ça fait 30 ans que ça dure, 30 ans que nous sommes infiltrés, 30 ans que nous sommes trahis. Il est temps de mettre fin à ce fléau. Et on n'a pas à nous juger parce que c'est nous qui sommes les victimes. C'est plutôt le bourreau qu'il faut condamner, celui qui est à la base de tous ces malheurs. Et je prends l'engagement que dès que cette guerre est finie, dès que cette situation est réglée, nous irons plus loin que ce moratoire que nous avons levé. Nous allons carrément abolir la peine de mort. Parce que ce n'est pas par plaisir que nous l'avons réhabilité. Nous l'avons tout simplement fait parce qu'il fallait mettre fin, comme je vous l'ai dit, à ce phénomène de trahison incessante qui ne font que causer du tort à nos populations. Aujourd'hui, autour de Goma, nous comptons plus de 2,5 millions de déplacés qui ne pouvaient pas être tous accueillis, évidemment, dans la ville, donc qui vivent aux abords de la ville de Goma, avec justement tout ce qu'on peut s'imaginer comme l'eau de malheur, de difficulté, parce qu'aujourd'hui dans ces camps, il y a encore des victimes de viol, de violence quelconque, il y a des victimes de maladies, puisque les conditions d'hygiène étant ce qu'elles sont, il y a maintenant des maladies hydriques, comme le choléra, qui commencent à apparaître. Donc vous comprenez que face aux responsables de ces malheurs, c'est-à-dire ceux qui aident le Rwanda à venir ainsi s'aventurer de cette manière dans notre pays, il n'y a qu'une seule réponse, c'est la condamnation à mort, à la peine capitale. C'est pour ça que nous avons levé ce moratoire, parce qu'il fallait que ça s'applique à ces individus-là. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas encore pris de coupable de ce genre de fait, mais je crois que ça ne tardera pas parce que nous savons d'où ça vient, d'où viennent nos malheurs et de qui viennent nos malheurs. Donc il suffit, c'est une question de temps, nous mettrons la main sur eux. Quant à ce qui est de la crise elle-même, comme je vous l'ai dit, nous avons renforcé les capacités de notre armée comme jamais dans ce pays on ne l'a fait. Notre armée est aujourd'hui très très bien équipée. Notre armée est aujourd'hui très bien encadrée. Mais comme je vous l'ai dit, malheureusement, c'est une armée qui avait été longtemps clochardisée, longtemps délaissée, désorganisée, dans le but évidemment de favoriser le pillage de nos ressources et l'absence de tout moyen de dissuasion vis-à-vis de ses ennemis. Nous sommes déterminés à changer la donne, nous sommes en train d'y travailler. C'est pourquoi je vous ai dit, cette guerre, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, nous la gagnons. Ensuite, je voudrais faire comme ce que j'ai parlé face à nos compatriotes, c'est vous remercier très chaleureusement et très sincèrement pour l'amour que vous avez fait montre lors des élections dernières et aussi cette mobilisation à voter pour le candidat numéro 20
que j'ai été. Merci de tout cœur. Merci, merci vraiment de tout cœur. Merci pour cette mobilisation. Merci pour cette confiance renouvelée. Et je vous promets que je le prends vraiment comme une dette que j'ai envers vous. Je suis votre soldat, je suis votre serviteur et tout le mandat que je peux disposer maintenant, dont je peux disposer, qui vient de vous, qui émane de vous, je le consacrerai à vous servir, à servir la patrie. De l'autre côté de la frontière, et il y a des ONG qui viennent faire le constat à partir simplement des dépôts dans lesquels ils ont identifié ces produits pour dire qu'ils sont made in Rwanda, alors que ce sont des produits volés à la République démocratique du Congo. Et pour y faire, ils ont besoin de déstabiliser toute cette partie est du pays pour qu'il n'y ait pas d'autorité, pour qu'il n'y ait pas de sécurité, pour que les populations désertent leur localité et ainsi ils puissent s'adonner tranquillement à ce pillage. Voilà pourquoi nous avons sillonné le monde pour le dire, et aujourd'hui je me réjouis de voir que les lignes ont bougé. Elles ont bougé et cela nous permettra de gagner sur la bataille sur le plan diplomatique et aussi de nous préparer à gagner sur le plan militaire. Donc voilà ce que je peux dire pour ce qui est de la sécurité. Le troisième engagement, c'était celui du pouvoir d'achat. Vous savez que dans notre pays, malheureusement, le pouvoir d'achat s'amenuise. Les difficultés auxquelles notre population fait face sont nombreuses, mais cela ne nous fait pas reculer. Malheureusement pour nous, nous avons une économie qui est fortement dédollarisée et comme nous sommes importateurs de quasiment tous les produits, eh ben, voilà pourquoi nous sommes victimes lorsque le franc congolais perd de sa valeur face au dollar, nous sommes victimes de cette vie chère. Donc nous sommes un peu quelque part les responsables de notre propre situation parce que nous ne voulons pas favoriser la production locale. Et c'est l'accent que nous allons mettre. C'est l'accent que nous allons mettre particulièrement lorsque je parle de cette lutte contre la vie chère et donc pour l'amélioration du pouvoir d'achat. Nous avons plusieurs astuces pour cela. Aujourd'hui, nous avons par exemple des zones économiques spéciales qui sont construites pour évidemment attirer des investisseurs tant nationaux qu'étrangers et en leur donnant des facilités pour qu'ils mettent en place des industries qui vont commencer à faire de la production locale. Nous sommes en train de construire des infrastructures tant dans l'énergie et dans les autres routes, ponts, etc., pour justement favoriser la circulation des biens à travers le pays, qui vont donc permettre que nous donnions un accent particulier à la production locale. Le quatrième point, c'est la diversification de l'économie, le quatrième engagement. Eh bien, nous avons décidé de diversifier notre économie et de la sortir de sa dépendance aux minerais. Vous avez vu ici, je vous ai parlé déjà des pillages dont nous sommes victimes,
ce que nos minerais nous attirent comme ennui. Mais pas seulement ça, il y a aussi les cours de ces minerais qui sont déterminés à l'étranger, alors que les minerais sont chez nous. Sur les 6 engagements que vous avez pour amorcer le second mandat. Alors, sans perdre le temps, Monsieur le Président, plusieurs personnes se sont enregistrées pour des questions et réponses, mais vu votre attitude. Nous bâtirons un pays pour qu'avant dans la nécessité.